là. Je sais que c'est une vie difficile. Voilà. Voilà. Bon, regarde, avec les jeunes, bon bah on est là pour manifester pour les sans-papiers. Ah ouais, ça c'est cool. Oui, génial. Oui, tiens, on manifeste. Ouais, d'accord. Bon, alors donc ouf, on va appeler les lycéens qui vont venir, ceux qui n'ont pas de papier, pour essayer bah, de faire en sorte qu'ils parrainent le préfet qui est là. Ah oui, t'as vu la gueule qu'il a? Ouais. Acceptez-vous de tariner et de prendre sous votre protection Pierre André Devel. C'est lui? Oui. Oui, tu acceptes? Oui, c'est cool. Préfet des Hauts-de-Seine, et de l'éclairer sur la vraie galère qui la vit. Tes élèves sont tâtiers. Tu es d'accord? Oui, cool. De lui apporter des recommandations pour que cela cesse et de les guider tas à tas jusqu'à la régularisation. Régularisation de ses élèves. Aïcha, l'acceptes-tu? Oui, je l'accepte. Oui, on te l'applaudit. Aïcha, l'acceptes-tu? Oui. Oui, elle accepte. Est-ce que vous acceptez? Ouais, on accepte. Est-ce que vous acceptez? Ouais. Est-ce que vous acceptez? Ouais. J'entends rien. Est-ce que vous acceptez? Ouais. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Audience. L'acceptes-tu? Oui. Ouais, accepté. Ouais. Est-ce que tu acceptes? Oui. Tu acceptes? Oui, j'accepte. Elle accepte. Ouais. Je pense que les gens. Enfin, les gens, les Français sont pas conscients de la vie des sans-papiers parce que on a une contrainte, on est là jour et nuit, on a la peur d'être contrôlé. Enfin, voilà, les gens ne sont pas conscients de ça. Et je pense que monsieur le préfet aussi, il n'est pas conscient de cette vie. On a la peur. Alors, au final, l'objet qui va lui être le plus utile et que nous lui dédions et que nous avons fait fabriquer spécialement pour André-Pierre Pével, nouveau préfet du 92, c'est le tampon. Le tampon régularisation. Hey, le